Allez, je vous emmène voir les phoques avec moi. En route. Alors, mon expérience plongée avec un phoque moine. Bon, déjà, j'étais pas super rassuré parce que c'est quand même une grosse bête et une bête sauvage. Donc, on sait jamais trop ses réactions. L'idée c'était de pouvoir m'approcher pour le filmer, mais pas trop près quand même. J'avais mis une combinaison quand même. Bon, c'est pas grand chose, mais je me suis dit si jamais. Il veut me mordre, ça limitera les dégâts. Pas de beaucoup, mais bon. Bon, j'ai fait des mouvements lents. Il s'est super lent en fait. Même dans l'eau, je pensais qu'en surface, il respirait doucement et qu'après, il accélérait. Mais en fait, sous l'eau, c'est super lent. Bon, je pense que c'est juste parce qu'il avait pas envie de nager vite. Parce que sinon, il aurait nagé vite. J'ai quand même réussi à faire 2-3 plongées avec lui. Bon, j'ai des progrès à faire en apnée hein, pour pouvoir le suivre. Parce que. Visiblement, on n'a pas le même niveau, le phoque et moi. Et puis, non, mais c'était sympa. Voilà. Moi, ça m'allait très bien. Je me suis pas trop approché. Enfin, je me suis pas approché de lui. Pour pas trop le déranger. En fait, il descend au fond. Et puis, une fois qu'il est au fond, je pensais qu'il chassait les poissons ou quelque chose comme ça, mais. En fait, il se pose au fond et puis il a l'air d'attendre que ça se passe. Et puis voilà, c'est vraiment rigolo comment il vous regarde avec ses grands yeux. Ça fait vraiment le. Vous savez, il y avait un dessin animé quand j'étais petit, Bibi Phoque, avec des méchants qui venaient de tuer les phoques. Et en fait, les bébés phoques avaient des gros yeux ronds comme ça. Et c'était, même si bon, c'était pas le même type de phoque, c'est vraiment rigolo ces grands hurons. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y en a qu'un en fait, hein, il est tout seul. Il n'y en a pas d'autres. Faut dire qu'avec les pêcheurs qui doivent lui prendre, je sais pas. Peut-être vu qu'il y a des pêcheurs qui pêchent les poissons, il y a peut-être moins à bouffer et résultat, il y en a moins.